Liber Tango de Astor Piazzolla. Donc tempo de déchiffrage, une mesure pour rien en quatre temps. Je ne fais aucune reprise. 1, 2, 3. Un passage qui est particulièrement difficile, surtout si on veut jouer dans un tempo vraiment rapide, comme c'est préconisé, c'est le passage où il y a des octaves à la main droite. Donc on peut absolument ne pas le jouer et enchaîner directement ce passage-ci.
Ça nous permet de garder vraiment le tempo d'un bout à l'autre sans tenir compte de ce petit passage de 8 mesures qui est particulièrement difficile.